Trop c'est trop pour Billie Eilish. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse américaine multiplie les changements de style vestimentaire. Après avoir longtemps adopté des vêtements larges à l'esprit grunge, la jeune femme de 21 ans a opté pour des looks plus sophistiqués et féminins. Une nouvelle apparence qui est loin de faire l'unanimité auprès de ses nombreux fans. En effet, l'interprète du titre Bad Guy a récemment été la cible de commentaires haineux et de critiques virulentes sur les réseaux sociaux. Lasse de ses remarques déplacées sur ses choix de tenue, Billie Eilish a exprimé son ras-le-bol sur son compte Instagram, ce samedi 27 mai. J'ai passé les 5 premières années de ma carrière à être complètement effacé par vous, les idiots, à cause de mon look à la garçonne. On me répétait constamment que je serais plus sexy si je me comportais comme une femme, a-t-elle expliqué en préambule d'une story. Avant de poursuivre, maintenant que je me sens suffisamment à l'aise pour porter quelque chose de vaguement féminin auprès du corps, j'ai changé et je suis une vendue. Au fil de cette publication éphémère, la compagne de Jesse Rutherford a partagé les messages incohérents et misogynes qu'elle a pu recevoir sur le célèbre réseau social. Que lui est-il arrivé ? Oh mon Dieu, ce n'est pas la même Billie, elle est comme le reste, blablabla. Vous êtes de vrais idiots. Je peux être les deux, bande de crétins. Laissez les femmes exister, a-t-elle clamé haut et fort. Avant de faire passer un message féministe à ses détracteurs, fait amusant, saviez-vous que les femmes ont de multiples facettes? Choquant, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, les femmes peuvent être intéressées par plusieurs choses. Saviez-vous aussi que la féminité n'est pas synonyme de faiblesse? Mon Dieu! C'est fou, non? Qui l'eût cru? De quoi clore définitivement le débat? Supérieure à supérieure à Jude Law, Kim Kardashian, Billie Eilish, les stars brillent lors du gala du LACMAR 2022. Billie Eilish a longtemps eu du mal à accepter son corps. Si Billie Eilish est très à l'aise avec sa féminité, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant mon adolescence, je me détestais et tout un tas d'autres trucs. Tout ça était lié en grande partie à la colère que j'avais envers mon propre corps et à quel point je devenais folle du degré de douleur que ça me causait. A-t-elle confié dans les colonnes du magazine Vogue US, le 4 janvier dernier. Avant de poursuivre, j'avais l'impression que mon corps me manipulait tout au long de ces années. Celle qui souffre du syndrome de la Tourette est donc passée par un long processus pour enfin accepter son corps. Dès lors, Billie Eilish ne laissera pas les internautes lui faire perdre confiance en elle. Crédit photo, agence.